Salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Subnautica. Et oui, ça fait longtemps que je voulais jouer à ce jeu, mais je savais pas à quel moment j'allais jouer. Ou enfin voilà quoi, j'étais hésitant. Alors le mode que j'ai choisi pour jouer, enfin pour faire cette vidéo, c'est le mode créatif, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est en gros un mode où t'as pas besoin de te soucier de ton niveau d'oxygène, ni de ta faim, ni de rien. En gros t'as même pas à te soucier de ta survie puisque t'es tranquille, tu vois. Plus moi j'adore l'eau, mais t'es ma waouh. Allez vas-y, tu plonges bien sûr. C'est mignon sous l'eau, il faut que tu avoues quand même, c'est assez beau. Surtout maintenant il y a une mise à jour. Il me faudrait un truc pour créer des véhicules. C'est ça je crois. Est-ce que c'est... Oui c'est ça, regarde. C'est en train de se déplier, magnifique. Enfin, justement, tu peux créer un sous-marin, tu peux créer... What the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Si... what. J'ai... J'ai lancé la création d'un sismos. Un sismos, d'accord. Là, c'est un cyclope. Vas-y, crée-moi un cyclope pour voir. Vas-y. Oh putain. Non, par contre, je dois sauver ça. Je dois sauver ce truc-là, sinon le sous-marin il va tomber là. Dégage, 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 dégage. On va voir le sous-marin tomber tout de suite. Il vient. Il va tomber. Ça va faire du bruit. Wouh. D'accord. Oh putain. Oh putain, qu'il est géant. Il est géant de ouf. Mais bon, je sais pas si je devrais le prendre. Pour l'instant, j'ai juste envie d'un petit truc, tu vois, qui pourrait se faufiler un peu partout. Mais on va dire le sous-marin, on va voir ça après, tu vois. Alors depuis la mise à jour, ça rame un peu plus, hein. Parce que moi, j'y avais joué juste avant, mais pas en vidéo quoi. Et ouais, je te cache pas qu'il y a un peu une différence quand même, hein. Waouh, première créature magnifique. Madame, waouh. Quoi, il fait du bruit lui. Hey, monsieur, arrêtez, arrête. Je dirais que je l'ai tapé, il y a une pièce qui est sortie. T'es moi celui-là, comment il est moche. Il est moche de ouf. Attends, je te fonce dedans. Je te fonce dedans. Arrêtez. Merde, bon, on va se calmer un peu. Attends, c'est quoi, je vais sortir de mon truc. Et en fait, il y a une autre machine, je crois, qui peut aller aussi rapidement. C'est le Power Glide ou je sais pas quoi là. Attends. Ça peut aller vite ça. Ouais, regarde, salut, toi, ça va. Tranquille. Hein. Quoi. Oh putain, on dirait qu'il a un masque à gaz à la gueule. Jure, on dirait qu'il a un masque à gaz. Bon, je vais essayer de partir dans les profondeurs. Là, on est à 90 mètres. Bientôt 100 mètres. Bismillahirrahmanirrahim. Mais t'es ma sa gueule. Regarde un peu sa gueule. On dirait un Pokémon. Un Pokémon raté, frère. C'est quoi ça? Tu vois, alors ce qui est pas mal avec cet engin, c'est que tu peux... What? Il m'a fait peur. Jure, il m'a fait peur. En fait, ça te modélise un peu la surface. On va dire les choses en relief, quoi. Voilà. Tu peux voir que là, il y aura une putain de pente. Voilà, ici, c'est clair, il y a une pente ici. Je vais essayer de descendre au maximum. C'est la première chose que j'ai envie de faire avant de faire d'autres trucs. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est pas juste nager, survivre et tout. What? Ça fait flipper ce truc, wesh. Oh putain de merde. C'est des champignons ça? On dirait des champignons. On dirait une ville de champignons sous-marine, ouais. Ouh putain, ça fait peur. Eh, je pensais pas que ce serait comme ça, mais ça fait peur un peu, hein. S'aventurer comme ça, tu vois, dans des profondeurs sous-marines. Oh, c'est un volcan ça. C'est un putain de volcan. C'est magnifique. Salut volcan, ça va? Oh putain, what? Petit, what the fuck? Attends, j'ai un autre truc, c'est quoi ça? Ça sert à quoi ce truc? Creuser. Oh, tu peux creuser. Oh, c'est stylé. What? Je peux creuser des trous avec ça, c'est pas mal. Attends, je vais essayer de creuser. Vas-y, creuse, creuse. J'ai fait un trou dans le sable. D'accord. Et on peut continuer de faire des trous. On va rester à creuser. Je vais creuser. Est-ce qu'il y a une limite? Ah, mais ça, c'est un délire, ça. Juste à côté du volcan, en plus. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attends, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir jusqu'où je peux partir. Peut-être ça peut m'emmener en Chine. On sait jamais. Hein. Ah, putain, il y a la roche. Ok. Il y a une limite. Ok, il y a la roche. Ok. J'ai compris. Waouh, imagine. On rentre dans le volcan. Oui, j'aurai les volcans. Oh, putain. D'accord. Ok. Le mec, il va s'énerver dans pas longtemps. What, t'as vu cette créature? Elle vient de rentrer. La créature, elle vient. Bon, en fait, ça me fait rien, même si je me mets ici, tu vois. What? T'as vu comment il a bugué la créature là? Elle a bugué, wesh. Elle est en train de bugger de ouf. D'accord, la créature elle a vraiment bugué. C'est le volcan qui l'a traumatisé en fait. Je vais continuer ma petite balade. Elle a continué vers là. 300 mètres de profondeur. Ok, ça fait flipper sa mère. Oh putain de merde. Regarde ce trou. Enfin pas ce trou, mais t'es un peu sur le graphique. Enfin sur ce que l'engin m'a dessiné. La pente, comment elle est rude. C'est pas une pente ça, c'est une chute libre direct. Attends, t'es sérieux? Ok, ouais, je vois plus rien. Je vois absolument plus rien. Allez vas-y, ouais. On progresse. Wow, il apparaît au dernier moment. Oh, je crois que c'est encore plus profond ici. Non, j'ai dit de la merde. Ah. Oh putain. Heureusement qu'il est 7h du matin et que les gens doivent se lever de toute manière parce que vraiment je pense que j'en aurais réveillé plus d'un là. Oh putain, on va où là? On va où là? On va où? S'il te plaît. Ok, what the fuck. D'accord, en fait y'a plus rien. J'ai atteint la limite. Ouais, je confirme. Je suis arrivé à la limite de chez la limite. Ok. Tu remontes hein. Ce jeu peut faire flipper, t'imagines? J'ai gueulé comme une fillette, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment peur. Dis-moi qu'il fait jour s'il te plaît, j'ai pas envie qu'il fasse nuit. Je crois qu'il fait nuit. Oh non, ça va. Oh. Oui, c'est levé du jour. Magnifique. Oui, c'est levé déjà, regarde. Donc en fait, j'ai passé toute la nuit sous l'eau, quoi. C'est... Ok, d'accord, c'est super. J'ai vu des créatures qui m'ont traumatisé sa mère. Ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment... Oh, putain de merde. C'est quoi ce délire? Chut.
choqué là. Je suis choqué, un truc de fou quoi. Ces géants, on dirait des extraterrestres. On dirait les aliens dans Crysis, pour ceux qui savent. Heureusement qu'ils m'attaquent pas là. En fait, je suis en mode créatif, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'attaquent pas. Mais normalement, hein, normalement, en mode normal, hein, en mode survie, etc., je pense qu'ils vous attaquent automatiquement. Bon, qu'est-ce que je peux essayer de faire ici? On va essayer de craft des trucs, d'essayer de créer des trucs, bien sûr. J'ai envie de créer, pas une base, mais une sorte de petit, tu vois, des petites pièces, tu vois ce que je veux dire, sous l'eau, quoi. Ça serait pas mal, à vous. Tu trouves que c'est la bonne profondeur pour faire ça? Ouais, ça va, ça. Oh putain de merde, les extraterrestres. Laissez-moi tranquille, les mecs. Ça, c'est mon terrain. C'est mon terre-terre ici, bordel. Brr, dégage. On va commencer par un couloir, bien sûr. Voilà, on a un couloir, d'accord. Attends, on va faire quoi d'autre? Un autre couloir? Attends, non, termine-le. Voilà, un autre couloir, c'est pas mal. Ici, attends, je vais mettre un truc comme ça. Voilà, tu vois, comme ça, je pourrais mettre d'autres couloirs avec d'autres conneries, tu vois. What the fuck? C'est quoi ce truc? C'est géant? On regarde le trou que ça fait en plus. Ça fait un trou de ouf. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi cette merde? Attends, je vais essayer de rentrer dedans pour voir. Le souci, c'est que pour rentrer dedans, je pense qu'il faut. What? Délire! Waouh, j'ai compris! Si j'ai des véhicules et tout, je peux venir les mettre ici. Oh! Ok, donc c'est par là. C'est par là que j'ai craft, où j'ai créé ma petite. Enfin, le début de ma petite base où toi, dégage. Connard de merde, voilà. J'adore les bruits que ça fait. Ça fait un ping. Alors, c'est où? Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais qu'avec le sous-marin, ça marchera jamais, mais avec ça, il y a peut-être moyen. Attends. Ah ouais. Ok, c'est cool. Je sais pas si ça me servira, mais ouais, c'est cool quand même. Oh putain. Oh merde. D'accord. Ça par contre, c'est pas très cool, tu vois. Ça c'est pas très cool du tout. C'est la pression qui a fait que, ouais, ça se barre en cacahuète. Prends le véhicule, bordel. Prends le véhicule. Prends-le et tu dégages. Et je vais démanteler ça. Je savais que je devais pas le mettre. Tu restes ici. Tu bouges pas le manque, hein. Voilà. Voilà, ma tante. Voilà. C'est pas mal comme ça. Connecteur vertical. Ça sert à quoi ça par contre? Connecteur vertical. Je vois pas le. What? C'est un pilier quoi. Attends. What the fuck? C'est pas un pilier. Je crois pas que ce soit un pilier. Mais je sais pas ce que c'est dans ce cas, tu vois. Si c'est pas un pilier, je vois pas ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. Oh! Oh putain de merde. Il y a de l'eau qui commence à rentrer. Oh putain. Oh putain de merde. Dès que j'ai mis le connecteur vertical, ça a tout niqué. Oh merde, t'es sérieux ou quoi? Oh putain, non. Bon bah super, hein. J'ai foutu la merde, écoute. Tout ce que j'entreprends dans ce jeu, c'est un échec. C'est quoi cette merde? Je rage quitte de la life. En tout cas, je rage-quitte de cette zone en tout cas. Non, j'aime pas du tout. Elle m'aime pas du tout, je l'aime pas non plus. En fait, je crois que c'est surtout à cause de la pression, quoi. Je pense que ça, il faut pas le construire à des profondeurs extrêmes, quoi. Genre 100 mètres, non. Non, faut oublier, à mon avis, faut aller moins profond que ça, en fait. C'est quoi? Je vais construire ça juste à côté de là où j'étais à la base des bases. Toi, dégage, connard. Toi, je vais te rentrer dedans. Attends. Voilà! Et la roche, par contre, là, c'est pas une très bonne idée. Je sais pas si ça va le faire. C'est quoi? Je le fais quand même. Je vais pas passer une heure à hésiter dessus. Je vais faire une salle d'abord. Voilà. Il fait une salle. Attends, ah si, voilà. Voilà, ouais. Regarde, ils sont en train de creuser en même temps. Oh putain. Par contre là, il y aura une limite ou pas? Attends. Ah non, ça passe quand même, ça passe. Écoute, moi tant que ça passe, c'est nickel. Je peux creuser dans la roche comme ça. Ça c'est possible. Regarde, il y a la roche juste là. Non, virage de ce côté, voilà. Voilà. Je suis dans ma base. Et là, il y a une plante qui... C'est quoi ces conneries là? Ça ressemble à ça. Ok. C'est cool. Par contre, c'est tellement facile de se paumer. Et je peux même pas voir dehors. Et c'est ça qui manque. Attends, je vais essayer de customiser ça d'ici. Est-ce que je peux ou pas? Genre rajouter des fenêtres si je veux. Oh, c'est possible. D'accord. Sauf que la vue, elle donne sur rien. Elle donne absolument sur rien, donc c'est cool. Wow. Là, c'est beau, regarde. Genre, s'il y a quelqu'un là-bas, tu vois. Tu peux le voir, tu peux lui parler. Ouais, tranquille ou quoi? Ouais. Sauf qu'il y a personne et je parle tout seul comme un con. Après, tu peux le rejoindre. Tu dis, hey, regarde, je t'ai vu, tu me parlais de là-bas, connard. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère, par contre? Tu commences à te battre avec lui et tout. Warrar, merde, boum. Enfin, bref. Et en fait, le truc, je peux l'agrandir autant que je veux, quoi. Ça paraît très très bête, mais je te jure que c'est comme ça. C'est la vérité. Je peux l'agrandir autant que je veux. Par contre, ce que j'aurais kiffé de ouf, c'est vraiment de pouvoir, je sais pas, donner de la hauteur à ça, tu vois. Genre, si je mettais une salle au-dessus de l'autre, ça ferait quoi? On est d'accord, elle serait pas reliée. Elle serait pas reliée si je dis pas de conneries. Attendez, on va voir. Ah ouais, elle serait pas reliée. Je ferais comment pour les relier? Attends, je vais essayer de voir ça. Si j'arrive à les relier, ça serait un truc de fou, quoi. Une échelle. Oh, t'es sérieux? Non. T'es pas sérieux? C'est-à-dire que je peux créer plusieurs étages à mon truc. Oh putain, ok d'accord. Pourquoi j'ai pas joué à Subnautica avant? C'est la question que je me pose vraiment là, tu vois. Bah attends, je vais devenir ouf alors. Je vais faire des trucs de malade. Ah ouais, le délire. Oh putain de merde.
Quand je vois juste la hauteur du truc, je me dis c'est ouf. C'est de la balle. Je confirme. Le Khlikhlou, il confirme. Hein. Subnautica, c'est de la balle. Et là, on est... Ce que je viens de créer là, c'est magnifique en fait. Je suis très fier de ce que je viens de faire. Très 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 fier. Ouais. T'imagines, je fais ça pour chaque étage. Ça me prendrait beaucoup de temps. Ça me prendrait énormément de temps. Mais ça serait beau. Je sais pas si j'ai bien fait ou bien si c'est juste très très moche. Mais je vous cache pas que ça ressemble pas à grand chose en fait. Hein. Vas-y, va voir d'autre côté. Va voir d'autre côté. Wouah. C'est vrai que c'est. Ouais, ça paraît un peu bizarre en fait. Hein. Mais je vous promets que je suis quand même fier de ça. Ce qui aurait été mieux, ça aurait été genre d'ajouter d'autres tours. Mais ça aurait été bien, tu vois. Avec plus de vitres, etc. Et justement, pour ça, vous me dites, est-ce que la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, vous laissez un petit lire et un commentaire si vous voulez que je fasse un autre épisode. Sur ce, prenez soin de vous.